impatient parce que la trêve a été longue, surtout voilà, quand on joue un match décalé. Donc bon, ça a permis de bien travailler, mais c'est sûr que on a hâte de retrouver la compétition demain soir. L'équipe est en progrès, on a fait un faux pas les deux premiers matchs sur le plan comptable. Après, on a su redresser la barre, on a su reprendre justement le flambeau à domicile avec cette victoire contre Laval. Après, on a réussi à enchaîner. Donc, on est sur une bonne dynamique, faut essayer demain soir de la poursuivre. C'est un beau challenge. Après, tous les matchs sont importants. Après, demain, c'est sûr qu'il y a peut-être un contexte un peu plus particulier. On sait que c'est un stade historique, un club historique aussi. Et donc, il y a peut-être une saveur particulière demain. J'ai joué quasiment tous les matchs, donc en intégralité. Donc, je suis content. J'engrange du temps de jeu, de l'expérience, avec justement. Une expérience au niveau sur le plan défensif, parce que je suis amené à jouer un peu plus reculé. Donc voilà, j'essaie d'engranger un maximum et j'espère justement continuer à progresser au fur et à mesure des matchs. C'est sûr que j'ai envie d'engranger encore pas mal de temps de jeu et parce que justement, je touche du bois, j'ai pas été beaucoup blessé les 2-3 dernières années. Quand on n'est pas blessé et qu'on joue moins, on est impatient de jouer et d'enchaîner les matchs. Et là, justement, je prends avec beaucoup de plaisir le fait d'enchaîner ces matchs-là et le fait de justement d'engranger, comme je me le répète peut-être, mais d'engranger une petite expérience supplémentaire, même peut-être un poste un peu plus différent. Et c'est sûr qu'on ne m'a pas connu aussi sur ce visage-là, en fait, ici à l'Estaque. J'ai toujours joué. On va dire un peu sur le côté, un peu en 10, un peu en 8. J'ai quand même pas mal bougé aussi. Et là, je joue un peu plus 6, défensif, un peu sentinelle. Donc, c'est sûr que c'est un autre contexte, mais c'est toujours avec autant de plaisir que je joue. On sait que le championnat, vous avez vu aussi les résultats de la dernière journée. Tout peut arriver. C'est un championnat très homogène. Et ça a toujours été, je pense, un peu en Ligue 2. Et je pense que cette année, ça va être le cas, et surtout le long de la saison. Je veux dire, je vois pas d'équipe forcément supérieure cette saison, mais ça va se jouer sur beaucoup de détails, et ces détails qui vont faire la différence. Et c'est l'équipe, je pense, qui va être la plus régulière, qui va enchaîner les bonnes performances. C'est sûr. Je pense qu'on est capable comme on l'a fait certaines. Sur certaines phases ou sur certains matchs, certaines périodes plutôt, on peut bousculer tout le monde. Après, voilà, faut trouver cette régularité. Et c'est pour ça que demain, faudra justement être prêt dès la première minute pour pouvoir justement être concentré, pas subir face à cette équipe strasbourgeoise et essayer justement, nous, d'être efficaces sur tous les plans.